Et y a tout le monde et bienvenue, c'est Blue, on se retrouve bien pour l'épisode 61 de ce Let's Play en solo de Monster Hunter Génération. La dernière fois, nous avons fait deux quêtes, une de niveau supérieur, une de niveau inférieur. Nous avons donc commencé les quêtes de niveau supérieur. Il n'y a plus de quête inférieure, eh bien, au village. On avait fait Yengaruga et Kirin donc, et là, ce coup-ci, nous allons faire Renseltas et des 20 champignons spéciaux de l'amour et de la vérité. Du coup, parlons stuff, parlons bien. Alors comme j'avais déjà fait du Celtas en multi, du coup ce qui m'a permis de débloquer justement la reine Celtas visiblement au solo, et ben soyons fous, voilà une belle armure Celtas toute fraîche, toute belle, avec un lance-canon Wicademy, le lance-canon donc 150 bons tranchants verts, 13 de poisse, avec du coup un canon normal et un niveau de tir 3. Donc concrètement je vais essentiellement faire des full bursts, boum boum boum, un énorme badaboum, et défense plus 20, et ça c'est cool. Par rapport aux stats, au talent de l'armure, que voici, artilleur expert, samouraï, maître cavalier, bouclier saint, comme je joue, eh bien du coup un voltigeur, maître cavalier, ça va être un petit bonus sympathique, artilleur expert, ça va être vachement cool pour la lance canon du coup, et puis voilà, les deux autres c'est du pratique et c'est toujours cool, samouraï pour perdre le tranchant deux fois moins vite, et bouclier saint pour annuler carrément les dégâts. Les petits dégâts, voilà, donc c'est plutôt sympa. Je suis en style voltigeur avec Vortex du Dragon 2, version améliorée, attention, ça va chier. Féline Forgeron, et du coup, bah, en termes d'équipement, déjà c'est bon. Je vais pas repasser en revue les chats, parce que j'ai déjà dit, donc il y en a un en Celtas et un complètement Rathalos. En termes d'inventaire, je pense rien de particulier, des petits pièges, potions de vitalité, et aussi des déodorants, parce que la reine Celtas s'est fait prout, et du coup, c'est bien de pouvoir enlever le caca comme il faut. Ne serait-il pas temps de choisir les quêtes? Mais si, carrément que si, bordel. Du coup, écraser la reine Celtas, chasser une reine Celtas, pas de quête secondaire, ça sera en forêt primitive. Et du coup, maître de Valabar, une reine Celtas donne du fil à retordre à tous les chasseurs du coin. Vous pourriez essayer de lui régler son compte? Voyez ça comme un test de en condition réelle. Pourquoi pas? Allons-y. En tout cas, ça a l'air d'être de beau être des quêtes de niveau supérieur. J'ai l'air de toujours commencer au camp. Donc ça, c'est... La coïncidence, incroyable, mais j'y crois pas trop. Reine Celtas avec son Celtas, tout de même. Du coup, je vais te marquer, parce que j'ai pas envie de te perdre, ce serait triste. On va pas se le cacher. Ah, je sais pas si le tranchant vert c'est vraiment une bonne idée, mais bon. Boum! Une petite esquive, RA, et du coup ça nous recharge complètement les balles, et ça c'est bien. Tac. Je suis content que l'un de vous me l'ait dit d'ailleurs en commentaire. Je le remercie très fortement et joyeusement. Oups. Hop. Alors, je vais pouvoir en faire encore une, deux fois. Non, je bloque. Non. Ah. Boum. Parfait, je vais pouvoir faire aïe. Mon feu de wyvern, déjà si tu me laisses faire, ce serait pas mal. Ah, bouge pas trop, bouge pas trop. Boum. Et voilà, du coup je suis dans le rouge. Et normalement, eh ben j'ai plus d'attaque. Et ça c'est bien. Par contre, le Celtas m'a... Mets une saloperie dessus, et ça c'est pas cool, on va pas se le cacher. Parce que du coup j'ai une défense diminuée, et c'est pas cool du tout. Mais, envole-toi. Boum. Boum. Badaboum. Yes. C'est sérieux là? Non. Ouh. Faudra quand même que je me soigne, parce que mine de rien avec la défense diminuée, ça picote mon colonel. Premier soin. Alors, je vais m'en sortir du dragon 2. J'aimerais bien lui mettre dans la face, tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. On observe, et on fait! On attaque! Boum! Yes! C'est pas grave. Au moins, je l'ai mis dans la face. C'est le plus important. Oui! Boum! Boum! Yes! Ça va, pour l'instant, ça va. C'est juste que ça fait mal d'un coup! Il va pas oser. Putain, sérieux quoi? Ah là là! Oh, j'ai rien compris, mais c'est génial! Apparemment, j'ai réussi à esquiver tout. Ouh! Que se passe-t-il? Que fais-tu? Puis-je sauter joyeusement sur toi? Bien entendu! Ah, rodéo! Ça, c'est les choses qu'on aime. Je vois que mon feu de wyvern est revenu, il va falloir que je fasse attention du coup. Parce que si là, si je refais des tirs, ça va me bloquer ma jauge au jaune. Et du coup, je ferai moins de dégâts. Et c'est pas ce qu'on veut. Regarde. Boum. Voilà, je suis toujours en rouge. Parfait. Non mais t'es sérieux, t'as pas d'amis hein? On est d'accord? Bordel.
Boum. Oh. Faut que je fasse la petite esquive et que je recharge chaque fois. J'y pense pas systématiquement, du coup c'est un peu triste. Boum. Boum. Ah, ça lui fait plaisir, ça. Je n'en doute pas. Avec un petit shiny à la clé, et ça fait vachement plaisir. Allez, boum. Boum. Tac, du caca, c'est pas grave. Moi je m'en fous, le caca ça... Tant que tu le fais pas sur moi, y a pas de souci. Oh. Waouh. Le cargo Renzeltas, oh mon dieu, il revient. Oh non. Fais pas le fifou, fais pas le fifou. C'est qui le big boss ici là. Hop. Arrête. Vortex du dragon 2. Yes. Non. Canon à châtaigne. Vas-y, Yuki. Yes. Boum. Boum. Oh non. Oh, ça craint du bois là, par contre là. Oh merde. Méga potion. Ah, le salaud qui continue de m'enlever ma défense et de me faire changer de zone juste avec ça, je rêve. Bonjour. Ah ah, je vois que tu es là. Pas de soucis. Moi aussi, je suis là. Boum. Sur la queue. Alors, petite esquive. Rechargement. Ah, elle change de zone. Très bien. Salut. Comment tu vas-tu bien? Qu'est-ce que tu fais? Oh. Serais-tu pas parti pour manger quelque chose ou... Non, j'ai cru. What the fuck? Oh là là, comment ça l'a fait reculer en mode what the fuck? What the fuck? Reste là, bouge pas. Ah, oh, t'es pas sérieux, quoi. Saloperie. Ne bouge pas. Voilà, comme ça, parfait. Ça, je suis à nouveau dans le rouge. Par contre, le Celta s'est revenu. Et ça, c'est pas cool. Boum. Boum. Yes. Ah non, tu veux pas sauter. Allez. Boum. Nul. J'adore ce tranchant vert qui dure 10 000 milliards d'années. Boum. Oh, un rodéo. Yes. Ça fait méga plaise. Ouh. Maître cavalier, c'est génial. Hop, gros rush sa mère. Bim. Bim. Yes. Par contre, j'ai perdu mon tranchant. C'est moins bien. Boum. Boum. Hop, on recharge. Bon, là, par contre, faut vraiment que j'aiguise. Quand le tranchant il s'en va, c'est quand même un peu triste. Fait moins de dégâts. Pensez-y. C'est bien. Après, si vous avez un tout petit tranchant... N'aiguisez pas non plus à chaque fois, parce que sinon c'est limite de la perte de temps. Un microscopique tranchant, ça rend les gens tristes. D'accord. Oh non. Non. Ouh. Wouh. Ah, il y a quelque chose qui a cassé. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, la défense diminuée, c'est vraiment un calvaire. Bon. Parce que là, quand tu prends cette attaque-là, t'es tellement content. Normalement j'ai de quoi faire. Attends, je vérifie. Est-ce que tu peux te calmer deux petites secondes s'il te plaît? Non, pas du tout. Mais sérieux, je reprends sa merde quoi. C'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Vas-y, atterris. Sérieux là? Et bouge. Je crois pas que j'ai touché. Tant pis, bon, au moins je serai toujours en rouge. C'est pas grave. C'est pas dramatique. Boum. Ça picote. La défense diminuée. Un vrai plaisir. Oh. Méga potion. Je me fais rouler dessus. Youpi. Super. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Vortex du dragon 2. Ne bouge pas. Hop. C'est cadeau. J'offre. Joyeusement. Yes. Yes. Boum. Mine de rien, elle a quand même un paquet de vie. La reine Celta, elle est pas là pour rigoler. Mais apparemment, elle va peut-être pas tarder à mourir. Et ce serait plutôt fat. Ce serait plutôt génialissime. Quoique, je sais pas. J'ai cru. Je sais pas. Non. Aucune idée. Tiens. Hop.
pas, focus-toi sur mon chat. Boum! Boum! Fatigué? On dirait bien. Ah mais t'es sérieux le Seltas là? T'as pas d'amis? Tiens! Tiens! Boum! Qu'est-ce qu'elle fait? Ah mais elle est tombée! D'accord. Et bien dans ce cas, Vortex du Dragon 2! Ah, serait-ce la fin de la reine Seltas? T'es sérieux de mettre une mine anti-monstre maintenant, toi? T'es sérieux? Alors, tu es de retour, tu es là. Et je crois refaire un feu d'ouverture. Mais d'abord, je refais ça. Voilà. Je vais bloquer le caca, c'est pas grave. Ah d'accord, ça se bloque pas. Très bien. Bon bah, je le ferai. Ok. Je serais tenté de mettre un piège. Ah sérieux? Ok. C'est le moment de briller. Boum. Tout un plaisir. C'est vrai. Autant dire que le plaisir est vraiment pour moi. Ou pour toi, je sais pas. Allez, viens par là. Boum. Boum. Ah, et bah voilà qui fait plaise. Badabam, bam, bam. Yeah. Dépeçage. Cuirasse Reine Seltas. Ah, merci. Une petite flash pour m'aider à dépecer tranquillement. Cuirasse Reine Seltas. Cuirasse Reine Seltas. Parfait. Du coup, nous avons réussi cette petite Reine Seltas. Yes. Tac. On se prend tout ça. Des cuirasses, des griffes, des sternumes. Hein, de toute façon, on a déjà vu un peu ce que c'était les composants avec les multi, l'argent, des points. Oui. Oui. Plus petit que celle que j'avais faite en multi. D'accord. Très bien. Alors, le monsieur, maître Valaba, c'est bien l'odeur douce à des Seltas que je sens sur vous, ou vous êtes poudré le nez? Eh, hey, beau travail avec cette reine Seltas, vous irez loin, chasseur, parole d'expert. Je parlerai de vous à la guilde si une occasion se présente. On fera appel à vous en priorité. Mais pour l'instant, voilà pour vous, vous ne l'avez pas volé, tout travail mérite salaire. Ticket de bronze, très bien. Alors, soudainement, hein, dialogue à Poké, what the fuck, magister Poké. Bonjour chasseur, m'a raconté comment vous avez réglé son compte à ce roi Seltzer. Beau travail, le maître de Valabar ne tarit pas d'éloge sur vous. Ça c'est un chasseur qui a du différentiel. Il m'arrive de ne rien comprendre à ce qu'il raconte, mais vous avez un avenir prometteur. Et il semble s'être entiché de vous. Il rabâche les oreilles de tout le monde à propos du fait qu'il aurait été le premier à déceler vos talents latents. Et je reconnais que j'étais un peu jalouse. Alors je lui ai dit qu'il a... Qu'à défaut de vous connaître, je vous confiais déjà des quêtes avant même qu'il ne pose les yeux sur vous. Ce n'est pas l'exacte vérité, mais terminez mes quêtes et ça peut le devenir. On ne craignait rien, cette première quête est un jeu d'enfant, allez vite l'accepter au comptoir des quêtes. Écoutez le village, avancez suce au bleu. Intéressant. Alors du coup, voyons voir eh bien, ce qu'on a débloqué, et surtout, bah, peut-être quand même pour faire les petits champignons qu'on doit faire du coup. Alors, avancez suce au bleu. Oh, Arzuros, Mephestio et Zamtrios en arène. D'accord, très bien. Pourquoi pas. Alors la grande question c'est, est-ce que si on finit les quêtes qu'il y a là, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont se débloquer tout de suite, ou est-ce qu'il va falloir que j'avance en multijoueur? Ça, ça va être un petit peu la surprise, du coup. Alors, du coup, 20 champignons spéciaux en pic jour, pas de quête secondaire. Le Tanzania Grill prépare sa nouvelle carte et nous sommes convaincus qu'un plat accompagné de champignons fera un vrai tabac. Accepteriez-vous d'en ramasser pour nous? Pourquoi pas? J'imagine que c'est aussi pour moi? Enfin, j'espère. Du coup, c'est parti. Alors, j'ai beaucoup de vie, mais j'ai pas beaucoup de stamina. Bon, pourquoi pas. Allez, prends-moi tout ça. On va se prendre les deux petites rationnettes et on va pouvoir se balader un peu sur toute la map. Alors, zone 2, visiblement, il y a un spot à champignons. Il n'y a pas l'air d'en avoir plus. Champignons spécial x2. Ah, bah ça commence plutôt bien. C'est cool, ça. Allez, encore. Bon, les champignons bleus, on peut pas tout avoir non plus. Alors, ça a l'air d'être systématique. Normalement, il y a aussi un point en zone 9. Bon, tant pis, c'est pas grave. Tiens, visiblement, je suis passé dans une zone et il y avait la Ratiane. Très bien. Alors, on a deux points de champignons. Nice, ça, c'est cool, ça. Alors... Mandragore, non. Champignon trop, non. Champignon nœud, mais... T'es sérieux, là? Le deuxième point, en espérant qu'on ait un petit peu plus de chance. Ah, champignon spécial x2. Ça, c'est bien. Encore? Nice. Mais t'es sérieux, là? T'es genre de voir combien, là? Champignon trop, Mandragore... Ah, champignon spécial x2. Eh, hey, ça en donne pas mal. On est à combien, là? On est à 12. Eh ben, encore 8. Super. Zone 5, la zone du milieu. Effectivement, il y a deux points aussi de champignons. Très bien. Mandragore. Champignon spécial x2. Nice. Mandragore. Parfait. Champignon parfait. Et c'est marrant, parce que du coup, l'Ornator, il essaie de me frapper, mais... Je prends pas de dégâts. J'adore le talent bouclier, ça. Le deuxième point de champignon. Champignon spécial. C'est toujours mieux 1 que 0.
Ah, x2. Champignon bleu x2. Il doit plus m'en rester beaucoup à avoir du coup. Grand champi. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Grand champi. Champignon rare qui ne pousse que sur les racines de certaines plantes. D'accord. D'accord. Donc il y a encore un truc au-dessus qui doit donner encore plus de points. Il me reste encore 3 champignons à voir. Très bien. Tant qu'à faire, je vais niquer sans miro. Voilà. Boyukumo. Très bien. Boyukumo. Coque d'insecte. What? Mais je. Mais je. D'accord. Feuille Yukumo. Ah, ça par contre, c'est du truc supérieur. Ça, y a pas de souci. Et une psycho. D'accord. Ok. Ça me paraît normal. Ah, y a un autre point de champignon qui est réapparu en 7. Pourquoi pas? Champignon spécial x2. Ah! Encore un? Champignon spécial maximum. Parfait. Et bah, du coup, je vais pouvoir utiliser mon petit téléportogène. Retour au camp. Alors, champignon spécial. Hop. 20. Vous avez réussi le jeu en mettant des champignons! Ouais! Nous avons donc réussi cette petite récolte de champignons spéciaux. Ouais. Alors, tiens, des champignons, que c'est vraiment très étrange. Carbalite, bois Yukumo et Serin plus 2. Très bien. Merci pour le feuillu, Yuki, Yuki. Foyu Yukumo, merci. Argent, points, beaucoup de points d'ailleurs, sympa ça. Ouais, petit point machin, et d'accord. Alors, apparemment j'ai un petit dialogue à Yukumo. Mistandia, coucou toi. Oh, chasseur, ça a recommencé, le fantôme Glouton a encore frappé. J'étais en train d'emballer vos champignons et à mon retour ils avaient disparu. Vous vous rendez compte, il ne restait plus que leur délicieux arôme, c'est terrifiant. Mais pas autant que de rentrer à la maison les mains vides et de devoir affronter ma sœur. Je la connais, elle passerait des heures à me remonter les bretelles et encore si elle est bien lunée. Parce que sinon elle m'étripe. Vous croyez que je peux rester un peu avec vous? Je serai votre valet de chambre, je ne vous gênerai pas du tout, c'est promis. Il suffit d'aller dans le menu room service. D'accord, très bien. Ok, un nouveau valet de chambre, youpi. Ah, tu veux me filer un ticket? Je le sais, un ticket Yukumo, hein. Je la fais pas deux fois. Tu veux me filer un ticket dirigeable? C'est pour ça que j'ai plein de bulles partout. Voilà, merci. Et bah du coup, on dirait que c'est la fin de cet épisode 61, n'est-ce pas? Oui. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, comme d'habitude, et nous retrouvons tout simplement pour le prochain. Merci encore, et à bientôt tout le monde. Salut, salut!